Le coup de marteau. Le coup de marteau de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour chère Clémence, comment allez-vous Mais bien, toujours quand vous êtes là, et très heureuse de parler avec vous d'un sujet dont on ne parle pas très souvent. C'est ce, puisque vous, vous souhaitez en parler aujourd'hui, d'un dîner qui s'appelle le dîner du siècle, un dîner très prestigieux qui mélange l'état profond, les grands industriels et quelques ministres. Eh bien oui, ma chère Clément, je vais vous parler de l'un de ces dîners que toute la petite oligarchie parisienne convoite, hein, ce dîner où il est de bon ton d'aller y traîner ses loup-boutins, exhiber ses Rolex et fanfaronner sur son dernier week-end à New York en aller-retour business class pour faire claquer les michettes de son odieuse prétention libidineuse. Car participer à la cette bamboche de la hotte, c'est faire remonter sa courbe de sexapile dans les cercles intimes d'un pouvoir parallèle et hors de contrôle. Oui. Un dîner pas comme les autres. Un dîner où il faut être coopté par une autorité supérieure hors de tout cadre républicain. D'ailleurs, dans ces endroits privés du 8e arrondissement, aucune démocratie ne tient et les valeurs républicaines n'ont pas cours. Là-bas, en fait, on n'en a rien à secouer. Des gilets jaunes, des pauvres, des Français qui souffrent, des nécessiteux, des mères isolées et de l'hôpital public qui crève. Alors oui, c'est un dîner secret où on ne bouffe pas, cher Clément, ça avait les doigts, où on ne rosigue pas une cuisse de poulet sur le coin d'une table basse, un dîner où on ne fout pas ses chaussures dégueulasses sur la chaise de son voisin, et où il n'y a pas de télé dans le fond du salon à la lumière bleutée des jeux télévisés les plus, les plus débiles de l'histoire de l'humanité. Non, en fait, c'est un dîner où se croise la fine fleur, vous l'avez dit, de l'état profond des grands industriels et de quelques ministres en exercice et d'autres en disponibilité devenus entre-temps, vous le savez, des lobbyistes au service d'intérêts très privés et d'ailleurs ils sont très nombreux. On y trouve aussi quelques journalistes célèbres hein, qui ont abdiqué leur déontologie dans le fond d'un socio aux effluves de truffes royales et qui ont renoncé à leur indépendance à la faveur de rouges barbés à la plancha et quelques langoustines en carpaccio et ceviche. Ce dîner pour vous et pour moi, nous est interdit. Pourquoi eh bien, Car nous empestons l'odeur du peuple et nous avons la nuque trop raide pour pouvoir nous baisser sous les fourches codines de la honte et de la compromission. Car dans ce dîner, en fait, rien n'est français, tout est privatisé, tout est financiarisé, tout est bancarisé, et bunkerisé surtout contre la populace, Clémence. Alors dites-nous en plus, quel est cet étrange dîner dont vous nous parlez ce matin, Nicolas ben, C'est un dîner qui se tient à deux pas de l'Elysée et dont les gilets jaunes, souvenez-vous, en leur temps avaient compris toute la supercherie, la bouffonnerie et la fourberie. Et notre confrère Daniel Bernard du média La Lettre, enseigne anciennement la lettre A, a publié ce 9 octobre une excellente enquête où il révèle la liste des invités de la dernière édition de l'incontournable Dîner du siècle, où l'on voit comment est constituée cette super élite. Qui tient le pays par les deux bouts de la banane et qui se moque effrontément de son effondrement et du sort de ses citoyens. On apprend aussi que les nouveaux membres de ce club sont, je cite, sélectionnés par le conseil d'administration qui se sont glissés au sein de l'Aréopage grisonnant, marqué par les codes de l'École nationale d'administration, donc l'ENA, mmh. Sciences Po polytechnique et HEC. Mais ce qui est le plus édifiant, Clémence, à cet article, c'est la promiscuité et les possibles conflits d'intérêts des invités triés sur le volet. On y trouve des énarques, des PDG de grands groupes, pas moins de 14 ministres qui sont inscrits dans ce club, des décideurs, des groupes pétroliers, des conseillers d'État, quelques parlementaires, des directeurs de cabinets ministériels, des politologues célèbres, mmh. des sondeurs, des journalistes connus, des patrons de médias, des présidents d'autorités de régulation. Et j'en passe et des meilleurs. Ainsi, vous avez à l'occasion de ce dîner du siècle une grande variété de responsables et de décideurs publics de haut rang, des ministres, de sommités du monde économique ou des pontes de puissants médias qui ont tout le loisir de discuter, d'échanger, de dealer, de prévoir, de décider entre eux des grandes orientations du pays en fonction de leur centre d'intérêt et de leurs objectifs particuliers. Le journaliste parle d'ailleurs dans cette enquête il évoque des échanges informels entre contrôleurs. Et contrôlé. Mmh. Alors la prétendue impartialité de l'État devient une grosse blagounette. On y lit que d'ailleurs que les plans de table sont savamment élaborés pour éviter les prises de bec en public et les grosses mornifs verbales. On apprend également dans cet article, dans cette enquête, que certains clans sont éloignés les uns des autres. Alors en lisant vraiment cette passionnante enquête qui est en accès libre d'ailleurs sur la lettre, allez lire de notre confrère Daniel Bernard et en suivant les mutations de notre pays, on se rend on compte pardon à quel point, Clémence, nos élites ont fait sécession mais les Français de manière irrémédiable et brutale et que pour certains, ils nous ont conduits dans l'abîme avec un certain talent pour la médiocrité et la soif de pouvoir car l'un n'exonère pas l'autre. Ainsi, ces grandes bouffes VIP du pouvoir parallèle de la bêtise profonde sont les symptômes les plus criants que la démocratie n'est plus qu'un hochet pour occuper les derniers Français qui croient encore que le pouvoir et ses pseudo-élites sont foncièrement bienveillantes et respectueuses de notre bien commun. Ces gens, en fait, se sont regroupés dans une sorte d'étroit cornet de glace de l'oligarchie, en lorgnant entre deux bouchées de homard sur l'argent des Français tout en encaissant de gros salaires pour les hauts fonctionnaires et de gros dividendes pour les autres. Et ce genre de petites bamboches sont de véritables pains de C4 pour la démocratie. Car aujourd'hui, de très nombreux Français, à la faveur des crises et des trahisons, ont arrêté de croire à la propagande des médias de masse et ont ouvert les yeux sur ce monde parallèle de ces ridicules petits oligarques malfagotés qui se servent dans les caisses et ont fait de la France une vulgaire monnaie d'échange à l'occasion, vous le savez, d'une grande vente à la découpe du pays. Mais les Français, Clémence, demanderont tôt ou tard des comptes et franchement, ils auront raison. Allez les loulous, bon courage et à demain pour la matinale. Euh, oui, alors la matinale, je vous retiens, Nicolas Vidal, c'est quoi le programme ah, de oui, demain Vous avez raison. Eh bien, demain, gros programme hein, intéressant. On, a, on aura euh, Xavier Azalbert, vous savez, le patron de François, mm -hmm. hein, et qui a fait une plainte collective avec le professeur Perron, notamment contre le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Il euh, y a une pétition aussi, d'ailleurs, pour avoir, à un moment donné, le fin mot sur ces contrats à Pfizer de, de Ursula texto légane Bourla. On aura également <laughs> Olivier Delorme. Alors, c'est un historien qui habite au fin fond de la Grèce, qu'on ne peut pas avoir parce qu'il a une très mauvaise connexion, mais demain, ma chère Clémence, il est à Paris et demain, l'explicitité va venir sur Top pour nous en parler. Et vraiment très, très bien, Olivier Delorme. Euh, on parlera de quoi On parlera du, de, de l'épuration ethnique littérale sur les Arméniens par les Azeris. On en parlera et notamment des contrats gaziers qui ont été signés entre l'Union européenne mmh. et l'Azerbaïdjan. Mais bon ça, ça n'étouffe pas, oui. oui. pas Ursula von der Leyen de le signer. Peu importe. On recevra aussi Arnaud de Morny qui a fait un très bon livre collectif euh, sur la, les, les coulisses de la guerre économique. Vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, comment la gagner Et on recevra aura aussi Philippe mureur qui euh, nous parlera entre le, les patriotes et, et identitaires contre, finalement, vous savez, des défenseurs de la civilisation européenne. Est-ce qu'il faut défendre plutôt la France ou est-ce qu'il faut défendre plutôt la civilisation européenne? C'est un, c'est un sujet passionnant un débat, et ouais. j'ai reçu Philippe Mureur demain matin aussi et nous aurons encore un invité surprise. Mais on, vous en saurez plus demain, les amis, car vous serez connectés aussi nombreux qu'aujourd'hui, ma chère Clément voilà. Évidemment, non, mais même plus nombreux parce que comme d'habitude, vous allez nous faire un feu d'artifice des audiences. Vous êtes notre feu d'artifice de la fin de semaine, Nicolas Vidal. Merci à vous. Rendez-vous demain à 8h. Vous avez bien compris, chers internautes. Et dès maintenant, vous pouvez justement relayer la chronique de Nicolas Vidal sur ce dîner du siècle où, on l'a dit, un échange informel entre contrôleurs et contrôlés, entre enquêteurs et mise en examen. C'est quand même pas euh, bah, anodin et il est important de le signaler. Merci encore Nicolas Vidal. On vous retrouve demain pour notre matinale spéciale du vendredi de Putsch Média et Toxin.